Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Semaine 3 et 4. En l'unité 3, la lecture d'action, j'ai mon téléphone. Donc, lecture d'action, j'ai mon téléphone. J'ai mon téléphone, maintenant, akraho hatifi. Donc, avant de lire le texte, je jib an hadi l'esila, j'observe et je découvre. Je lis le texte et je réponds aux questions. Et donc, nous jibons à cette question et nous lisons ce texte. Avant, qui est l'auteur du texte? L'auteur du texte, c'est celui-là. Kâtib ce texte. Le kâtib, qui s'appelle le poète chair, l'isador. Donc, le poète s'appelle l'isador. Deuxième question. Que font les personnages représentés par les images? إذن ماذا تعمل هذه الشخصيات أو هذه الناس هذوش كيعملوا الذين نشاهد في الصورة؟ الصورة الأولى نلاحظ يتكلم في الهاتف. هالصورة الثانية كيتكلم في الهاتف كيقول إني أبادو غيسو وهنا كيتكلم في الهاتف أيضا وي بونجور فريد. إذن كيتكلم مع شي واحد كيقول له بونجور فريد. هنا كيقول له ألو بونجور سي بونجور دريس. هنا كيتكلم مع دريس. دونك الأطفال يتكلمون في الهاتف. Il parle au téléphone. Sur le téléphone, de combien de strophes ce poème se compose-t-il? Il y a des chers, il y a des strophes, c'est une strophe. La deuxième strophe, troisième strophe, quatrième strophe. Donc, il y a quatre strophes. Le poème se compose de quatre strophes. Sur Rabel, combien y a-t-il de vers dans chaque strophe? Et dans chaque strophe, il y a des vers. Les vers, moi, ou le Beit Shi'ri. Et dans le Beit Shi'ri, j'ai trois, quatre. Dans la première strophe, il y a quatre vers. Donc, la deuxième strophe aussi. هي أربعة الأبيات الشعرية والثالثة كذلك. دونك il y a quatre vers dans chaque strophe. نقرأ الآن النص. Je n'ai mon téléphone. أكره هاتفي. C'est un objet assez pratique. هو شيء عملي assez pratique عملي mais très souvent problématique ولكن احيانا très souvent في اكثر الاحيان فيه مشاكل problématique. Puis-je m'en passer aisément? هل يمكن ان اتجاوزه واتخلى عليه بسهولة pour vivre en paix et calmement, lui qui sont n'importe quand, ou elle dit, yarinno fi ayi waqt, si je conduis ou même en avant, ملي كنكون كنسوق السيارة أو قبل ذلك أو ميم أفون إي أو مومون دو ما بخيير أو أكون في الصلاة إد أورل فور سي لا كالير هو
يرنو بصوت مرتفع. سي لا غالير، لا غالير معناه وضع مجعج، وضعية كتكون وضعية مجعجة. Je le hais bien quand il me prend. أكرهه جيدا عندما يباغتني. Quand il me prend عندما يأخذني. Au dépourvu et me surprend. عندما me surprend معناه يباغتني. Je le méprise de tout cœur. أحتقره. Je le méprise. أحتقره من أعماق قلبي. Je lui veux tous les malheurs. أريد له كل المصائب وكل المساوي. Tous les malheurs. Je vivrai bien isolément. سأعيش في عزلة. Car il me pèse énormément. لأنه هو يثقل كاهلي. Il me pèse énormément. De plus, ma bourse en souffre tant. وأيضا مصاريفي أيضا تعاني أيضا. Et ma santé en a autant. إما صنتي وصحتي أيضا هي أيضا تعاني الشيء الكثير. إذن نعود نقرأ النص قراءة ثانية. Je hais mon téléphone. C'est un objet assez pratique mais très souvent problématique. Puis-je m'en passer aisément pour vivre en paix et calmement? Lui qui sonne n'importe quand, si je conduis ou même avant. Et au moment de ma prière, il hurle fort, c'est la galère. Je le hais bien quand il me prend, au dépourvu, et me surprend. Je le méprise de tout cœur. Et je lui veux tous les malheurs. Je vivrai bien isolément, car il me pèse énormément. De plus, ma bourse en souffre tant, et ma santé en a autant. Et de nous jibane hadil esilal, je comprends. Je relis le texte, je réponds aux questions. Et de nous jibane hadil esilal, نجيب كي بارل دون لو تكست من يتكلم في هذا النص الذي يتكلم هو الشاعر دونك لو بويت كي بارل دون لو تكست troisième question relève les expressions qui montrent que le poète hait son téléphone اذا استخرج العبارات التي تدل على ان لو بويت الشاعر يكره هاتفه إذن je le hais عندنا problématique. Il hurle fort, c'est la galère. هذه الجملة هذه il hurle fort هي هنايا عندنا في النص. Je le méprise de tout cœur. هي عندنا في النص أيضا je le méprise de tout cœur. Et je lui veux tous les malheurs. هذه أيضا هذه الجملة في هذا النص هنا. السؤال الرابع je cherche le sens de ces mots. إذا أبحث عن معاني هذه الكلمات dans le dictionnaire. Je hais, haïr, problématique. Aisément, galère, surprendre, souffrir. Idem nojib, le sens des mots. Je hais, qui est le verbe haïr, je déteste. Mana akraho. Problématique, qui pose un problème.
problème qui est difficile à résoudre. يضعوا المشاكل اللي فيه مشاكل أو صعب للتجاوز. aisément, facilement, facilement. بسهولة. galère, la galère c'est la galère. situation désagréable. وضعية صعبة. surprendre, prendre quelqu'un sur le fait. surprendre منه يفاجئه. فجأة. souffrir, يعاني. subir des douleurs. واخيرا عندنا je lis bien le poème, je dis les strophes l'une après l'autre, je marque les pauses. إذن نقرأ هذا النص. je marque les pauses. وهنا des pauses dans un moment. je respecte les rimes. j'articule bien en respectant le découpage syllabique. واحترم هذه المقاطع. je le hais bien quand. إذن المقاطع. واخيرا ناتي الى نهايه 89. شكرا والى درس اخر.